Rebonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de ma chasse à la ranquette. Alors, je sais pas si c'est que ça marche pas contre les mages ce deck, ou si c'est juste que je suis un peu naze, ou que je sais pas compter, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'espère tomber contre un autre adversaire. J'ai joué contre en normal, hein, je parle toujours en normal, contre un... Malfurion versus Valyra. Bah notamment un rogue, mais aussi un... Je pensais un... Comment ça s'appelle? Un warlock beat down, qui a essayé de claquer le plus vite possible. Ça n'a pas marché pour lui, je lui ai éclaté la tronche. Mais bon. Voilà, rogue, j'ai déjà fait. J'espère juste que ça va que ça va repasser. C'est pas la première fois que je vois ce play là de Worgen Infiltrator au premier tour. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. Remarque, d'un autre côté, je sais pas si Coin Hero Power c'est spécialement intéressant non plus. Donc, je sais pas. I can taste the mana. Ok. Ce serait marrant que je tombe encore sur un mec qui fait plein de trucs en rapport avec les spells et qui en fait en utilise pas un seul au final. Enfin, ce serait marrant. Pas pour lui, quoi. For the wild. Alors, qu'est-ce qu'on espère? On espère tout simplement l'abattre, hein. Parce que c'est pas intéressant si vous faites un truc pour sur ma montée en ranked pour au final pas monter une seule fois, quoi. Ce serait un peu stupide. Donc, je dois bien faire ça, hein, pour essayer de piocher au moins une carte avec son attaque sur lui. Enfin, c'est ce qui paraît très logique à faire, je pense. Encore une fois, je suis pas un expert, mais bon. What does the future hold? Mais c'est quoi ce deck? En fait, c'est un deck qui va essayer de l'éclater en early le plus possible, quoi. Ok. Bah, je vais swipe lui. J'ai pas spécialement le choix, sinon je me prends pas mal de dégâts. Et là, je réussis à réduire par deux son nombre de créatures en même temps. Donc, et le prochain tour, je peux tuer son mana addict. Alors. Qu'est-ce qu'il va faire? D'accord. D'accord. Alors, si j'utilise Claw et ça, j'ai 3 d'attaque. Je peux utiliser Savage Leap pour le tuer. Et il me restera 1 de mana. Et est-ce que plutôt je l'attaque lui ou... Non, j'attaque le réaliste parce que encore une fois, s'il casse un spell, il passe à 3 d'attaque. Ce qui est non négligeable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire si m'attaque, il dagger Mastery, c'est pas un tour très utile pour lui. Non, il a l'air d'aller choisir des cartes. Allez.
Allez. Ok, qu'est-ce qui nous sort? D'accord, il pioche une carte. Bon. Il n'y a aucun mal à piocher des cartes. Hein. Je le fais. Et là, on va faire un petit combo que j'aime bien. Faire passer cette créature à 1-7 et taunt pour essayer tout simplement de piocher le plus de cartes possible. Après, le problème, c'est que lui, voilà, a exactement ce que je redoutais. Mais bon, d'un autre côté, il a utilisé ça pour un Alcolite of Pain, pas pour une créature grosse, donc ça me dérange pas spécialement. Alors, voyons, si je fais Bite et ça, je passe à 5 d'attaque, 5 d'armure, ou je peux mettre un ancien de la guerre avec plus 5 d'attaque. C'est-à-dire que là, s'il le tue pas ce tour-là, au prochain tour, je peux faire le 5-5. D'accord. J'ai pas exactement sûr de ce qu'il veut faire. Ah, d'accord. Voilà, ok. Bon. Là, pour le coup, son combo était plutôt efficace. Je savais que j'aurais dû le mettre dans l'autre forme, mais bon, c'est une question de goût. J'aime bien le goût du risque. Et on va commencer à sortir le spell damage un peu plus tôt, en espérant qu'il se rende pas compte que c'est pour du spell damage. Histoire que là, par exemple, s'il sort un gros mob, bah tout d'un coup, on peut lui faire 6 points de dégâts au lieu de 5. Bon, c'est pas énorme. C'est un point de dégâts de plus. J'ai pioché 4 cartes. Du coup, il lui reste combien? 12 cartes. Il m'en reste 17. Ouais. Alors. D'accord. Il a pas spécialement quelque chose de dangereux. Oh, mais non! Je sais pas si s'est rendu compte de pourquoi je lançais ça, mais en tout cas, de toute façon, c'est pas mal joué de sa part. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Honnêtement, là, je sais pas trop. Je sais pas trop, j'ai pas du tout de spell power, j'ai pas du tout de créature. Je vais essayer de garder le board le plus clear possible, le plus vide, pour, là, si j'ai Maligos, lui faire 6 points de dégâts instantanés. I hear you got a problem. Je pense que Maligos, il aurait du mal à le tuer en un tour, sauf effectivement s'il a ça. D'accord. Bon, ça a l'air pas spécialement bien parti. Mais pour une fois, c'est la faute des cartes. C'est pas ma faute. Ok, donc ça ne marche pas. En même temps, j'aurais dû m'en douter. Non, là, je pense qu'il va me proposer d'attaquer mon propre creep. Et je vous avoue, c'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire. J'essaye d'avoir un minimum de présence sur le terrain en mettant ça. C'est plus ou moins la seule raison pour laquelle je l'ai fait. Je pense qu'il va essayer de m'éclater moi le plus rapidement possible. What does the future hold? Il veut pas m'attaquer avec lui? Serait-il plus réfléchi que ce qu'on pourrait croire? Si tu m'attaques lui, c'est complètement stupide de ta part. Parce qu'il perd en fait l'avantage de la stealth. Est-ce que j'utilise
10 de mana pour sortir mes deux Starfall. J'ai pas vraiment beaucoup de choix. Si j'ai le choix. Regarde ce qui pioche. Il m'arrive ça. Voilà. Donc vous voyez, en attaquant mon creep plutôt que moi, en fait, il a perdu pas mal de dégâts qu'il pouvait me faire. Donc c'est vraiment dommage pour lui, quoi. D'accord. Si je lance lui passe à 6 points de dégâts, lui passe à 2. Si c'est de 12, si c'est de 8, mais du coup le descend à 12. Je vais pas tout à fait faire comme ça. Je vais faire ça. Je regarde ce qu'il drop. Et ce qui drop ne m'arrange pas spécialement. Enfin, quoique au prochain tour, ça me permet d'avoir un en plus. Est-ce que j'utilise Moonfire et Hero Power pour tuer ça? Ma réponse est oui. Job's done. J'espère encore une fois pour faire le bon choix. En même temps, j'ai 11 cartes. Normalement, j'ai déjà Maligos à piocher. J'en ai quelques autres à piocher, des trucs intéressants. Voilà, j'ai Maligos. Et je vais garder le swipe pour la possibilité qu'il lance des créatures, même s'il a que 3 cartes dans sa main. Je préfère jouer la carte de la sûreté, étant donné que j'ai déjà perdu la game précédente. Bon, il va me tuer mon break. On va y voir qu'est-ce qui sort. Il a perdu. Voilà. Voilà. Bravo. Well played. Well played. Et voilà. Bon. Ça n'a pas été facile d'obtenir cette première victoire. Mais je suis maintenant un peu enragé à une étoile. Donc, en plus, j'ai le droit à mes 10 gold. Je suis super content. Donc, c'était Ezekiel pour Deux Potes un jeu. Je vais continuer cette série de manière assez régulière. Là, je vais arrêter les enregistrements pour là, tout simplement parce que j'ai plus de place sur mon disque dur. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut !